Thank you.
J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve bizarre. J'ai fait un rêve bizarre la nuit dernière. J'étais devant une table noire et je vous ai vu entrer comme dans une espèce de sérosité sous-marine, comme l'ombre d'un cœur pour moi perdu, dont on a repoussé le cœur hors du moral et dans les limbes de je ne sais quelle virtualité, de plus loin que tout ce que l'on peut voir ou percevoir. Afin de se servir de ce cœur et de son être dans un autre but et pour d'autres actes que ceux qu'il a lui-même pensés. L'homme qui était devant moi et me parlait sur votre figure morte et par elle me menaçait parce qu'il avait anéanti le problème de la perte antique et de mon cœur et du vôtre et ne vivait que pour l'avoir mangé. Il me disait « Je vous ai préparé. » Et j'eus sur mon cœur la perception d'un étrange mélange où des sérosités, des calcaires, du naphte et des sophaltars, de la cire, de la poudre de marbre et de ciment immaculé intervenaient, mais distillés par d'épouvantables courants. Comme s'effondrait une feuille, une fleur, un arbre mort. La fleur, la feuille, l'arbre d'un cœur évanoui d'avant le temps et l'entrée de cet homme et qui, à travers lui, dans l'impensé, faisait écho et me disait « Ce n'est pas cela que je vous ai préparé. » J'ai eu une autre idée avant d'entrer au monde, mais elle est sous la tombe des trombes qui forment l'être au-dessus de moi. Je vis. Et vous vivez, monsieur Ferdière, dans l'angoisse de je ne sais quel au-delà qui se concrétise en dictame, comme déclamé dans nos rêves, mais nous suffoque dans le réel immanent. Mais le monde ne comprend pas cela. Nous ne sommes entourés que d'idiots, de profiteurs et de lâches qui n'ont jamais voulu entendre leur cœur. Et ceux qui, comme vous, ont un cœur, comme vous et moi, ont un cœur, se le voient à tout instant glisser dans le gouffre de l'immortelle bêtise qui ne cesse de nous asphyxier. Et le vomissement impur de la bêtise m'oblige à me boucher le nez devant l'azur.
s'est donné d'abord pour un extravagant malotru. Et le destin de l'homme et du monde est suspendu à ce bâcleur malotru. En combien de temps va s'opérer cette transmutation qui ne peut plus être une révolution? En 5 mois. À dater de quand? À dater du 3 juin 1937. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le 3 juin 1937, les 5 serpents sont apparus, qui étaient déjà dans l'épée, dont la force de décision est représentée par une canne. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que moi qui parle, j'ai une épée et une canne. Une canne avec 13 nœuds. Et que cette canne porte au 9e nœud le signe magique de la foudre. Que 9 est le signe de la destruction par le feu. Et que je prévois une destruction par le feu. C'est-à-dire une destruction infernale. Et 9 est le chiffre de la destruction infernale, puisque c'est l'enfer qui représente le feu. Je vois cette canne au milieu du feu et qui provoque la destruction par le feu. Et cette destruction sera radicale. Cette destruction sera radicale. Je tiens l'épée d'un nègre africain et la canne, je la tiens de Dieu. Cette canne, m'a-t-on raconté, fut mienne déjà dans d'autres siècles. Mon épée porte 3 hameçons et 5 nœuds. Or, des 5 serpents qu'on m'a révélés par des moyens absolument ordinaires, 3 sont en forme de crochet, où j'ai vu les hameçons de l'épée. Un autre en pointe, où j'ai vu l'épée. Le dernier est en forme de nœud. Le premier qui va en avant, se soulève comme une vague, et il a la forme d'un crochet. Les 2 autres, qui ont l'air de tourner comme des verges de feu, se terminent aussi en crochet. Celui d'en bas porte une pointe, comme si la terre se soulevait. Celui d'en haut avance dans l'air comme une comète qui va tomber. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le 3 juin, les forces du ciel se sont mises en marche. Cela veut dire que le 3 juin dernier, une force de destruction a commencé à se rassembler. Et que c'est le 3 novembre qu'elle va éclater. Pourquoi? 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 Parce que 5 est le chiffre de l'homme. Non pas des hommes, mais de l'homme abstrait. Et j'en ai conclu que la destruction se ferait par l'homme, dans l'homme, et qu'elle mettrait 5 mois à marcher. Pourquoi? Car si j'ajoute 3 du 3 juin au chiffre du 6e mois de l'année, j'obtiens 9, la destruction infernale. Si j'ajoute 5, chiffre de l'homme abstrait, à 6 du 6e mois de l'année, j'obtiens 11, qui me ramène à novembre. Et novembre est sous le signe du chiffre 9 selon l'antique calendrier. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Novembre est le 11e mois de l'année. Et si, réduisant kabbalistiquement les nombres, je sépare les 2, 1 de 11, et que je commence à les additionner, j'obtiens 2, qui d'après la kabbale est le chiffre de la séparation-destruction. Or, les chiffres de 1937 additionnés suivant le même procédé de réduction kabbalistique donnent aussi 2. Et 5 des serpents et de l'homme abstrait additionnés au 6e mois de l'année donnent encore 11, qui nous ramène à novembre, et 11 de novembre se réduit à 2. C'est ainsi que de tous les côtés,
La destruction partout recherchée a été désirée inconsciemment par tout le monde. Et je prétends qu'elle est voulue occultement par tout le monde, comme le seul moyen de nous sauver d'un monde où la vie ne peut plus s'exercer. Et cette destruction est partout commencée. Or, les cinq serpents marchaient de la droite vers la gauche. J'en conclus, aussi naïvement qu'il le fallait, que la droite menace la gauche. Et que dans 5 mois, elle la tuera. Or, 5 des serpents plus 6 égale 11. 11, c'est novembre, qui donne 2. Et 6 du mois et 3 de la date du mois donne 9. Et 9, c'est novembre, selon l'antique calendrier. Et 3 de la date plus 6 du mois plus 2 de l'année donne aussi 2, la destruction, donc la séparation. Si je couvre 3 avec 5, j'obtiens 8, la porte de l'infini sur Terre, qui, jetée sur 2 de novembre, donne 1, la réalisation absolue, qui veut dire le retour à l'absolu, qui veut dire la disparition dans l'absolu, qui veut dire l'anéantissement dans l'absolu et pour l'absolu. Et si j'ajoute 1 de l'absolu, si j'ajoute 1 de l'absolu de novembre, à 2 de l'année de la disparition, destruction, j'obtiens 12, la maturité dans les formes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce jour-là, l'absolu a mûri et qu'il a trouvé toutes ses formes. Et cela veut dire que toutes les formes vont rentrer dans l'absolu.